Lino. Ouais. Ouais. Avec un Bob, bah celui il arrive. En moto? C'est un chaise noire. Ok. Ça va aller, Loki, t'as fait un nœud. Sinon, on prend une bouteille vide, hein. Tu pisses dedans. Hein. Ouais, mais ça, ça a déjà débordé. Chose. Sérieux, taisez-vous. Laissez-moi me concentrer, je vais pas y arriver, sérieux, shit. Oh putain, j'ai le cœur qui bat à 2000, j'ai 3 monsters, les gars, j'en peux plus. Donnez-moi Topia. Allez, okay. Silence radio. Silence radio, il rentre dans le parking. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il sort son téléphone à l'extérieur. On le chope maintenant ou pas? Peut-être qu'il envoie une pause, je sais pas. Je crois qu'il envoie une pause, faut le choper. Chope-le, chope-le. Non, ça va pas du tout. Ton téléphone, mec. Tu l'as ton téléphone, ta radio, tout. Ça me donne tout. Tout aussi, ça me donne tout. Aïe. Absolument non, tout. Non. Tu fermes ta gueule, tu me donnes tout, toi là. Puis toi aussi. Sortez et allez à côté du véhicule. Sortez du magasin. Ah ouais, bon cas. Plus vite. Non, plus vite qu'à ça. Plus vite. Allez. Ok, ta gueule, je te mets un torchon dans la gueule, je te mets du tape en plus et tout. Attends. Tu peux pas. Je t'ai mis un tape sur la bouche, tu peux pas. Amène la chaise. Amène la chaise, s'il te plaît, Jinko. Viens avec la chaise. Montez. Sors du véhicule. Où? Mais où? Allez. C'est à voir sur la chaise. Mets-lui. T'es attaché, tu peux plus bouger. Go. Amène-le. Alors, on se dépêche. On bouge ou... Vu qu'on n'a pas eu l'info. On y va, au point de rendez-vous. Go. À tout le monde, repli. Ok. Ah, j'attends. Je les vois pas, ils sont partis déjà. Ouais, on les a un peu plus loin sur l'autoroute. Ouais, t'inquiète. Voilà, je viens de chercher Face. C'est go. Oubliez pas vos ceintures. J'écrase pour autant, j'arrive. Trop tard, on est déjà parti, on a dû les escorter. Putain. On est devant eux là. Pas on est passé devant.
Vous êtes derrière, Face? Oh, vous êtes même devant nous. Ouais, on est à 4, on est à 3 km 5. Il lui a remis la cagoule ou pas? La cagoule a été mise. Ok, ok. Ouais, ouais, derrière la... la shafter, là. C'est une shafter ça? Non, non, c'est une camionnette. Ouais, il est... What the fuck? Il est tombé, il est tombé. C'est Lino. Oh putain. Il a oublié de mettre sa ceinture, je suis... Il l'oublie tout, il l'oublie H24. Ramasse-le avec nous. Bah, les gars, il faut. Là, il y a un MS qui va venir, il faut sécuriser la zone. Faut que le MS juste il est là, il se casse. Bon. Il y a même pas de MS, je crois s'il y en a. Il faut appeler un MS, les gars. Non, mais on le prend. Le vent. Tu peux le décaler un peu, Le vent. C'est bon, il le ramène au point. Il va quand même au point, ouais, il va quand même au point. Tu vois, on peut les... il l'a escorté. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Bah non, on va devoir appeler un EMS là-bas. Le vent. Le vent, mon œil. Non, le vent. Le vent, mon manger. On va mourir, vous mangez, le vent. Non, je vais en manger, mon vent. Je vais en manger, le vent. Ben je vais mon baba, je vais en parce que on l'a vu. Il va mourir de faim, je crois, il a dit. Putain, en plus, Fistar a arraché la porte sur ma gueule. Moi, je pensais qu'on allait attendre le MS là-bas en fait. Ah, mais non, le cache. Ah, c'est trop risqué. Ouais, je sais, parce qu'il y a les policiers qui peuvent arriver comme ça. J'avais oublié qu'on pouvait l'escorter. Même moi j'aurais pu le faire. Veux pour moi. Vous êtes arrivé? Ouais, on est arrivé. Ok, on est là dans 400 mètres. C'est bon, on est là. On sort de la voiture en dernier après, non? Tant qu'il rentre, ouais, ouais. On attend qu'il rentre tous et nous on sort. Eh mais il va mourir de faim, je crois. C'est pas grave. Mais il est déjà mort, wesh. Mais c'est qui le médecin? Je rentre dedans, rentre dedans, ils sont dedans. On rentre. On est dedans, comme au départ. Ok. Vous voulez que je bloque l'entrée? Juste la mets prêt à partir, comme ça. Bon, je vais dire à l'hélico qu'il vienne et qu'il fasse des tours pour voir si après c'est lui ou pas. Il est toujours attaché. Hein. Là, il a enlevé. Ah, je l'ai retiré. Il est attaché. Hein. What the... Ah ouais. Aïe. On a affaire à l'exorciste. Hein. Détachez-le. Détachez-le. C'est lui qui l'a attaché. Bon. Videz-lui ses poches. Allez-y, guys. Merci d'éclairer un truc. Pouah, les geeks. Ponyo, tu vas te calmer. Il y a les flics qui vont arriver. Calme-toi, Blanca. Continue à me cracher dessus et je te calme une balle entrée des yeux. Que quelqu'un lui mette quelque chose. Mettez-lui un scotch sur la bouche là. Continue d'être une pute, ça te servira dans la vie. T'as la bouche collée. Allez, ouais, fermez-lui la bouche là. Tu peux plus parler.
C'est bon, les baïonnés. Vale, vale. Un petit lino. Tu me fais bien marrer. Alors, tu croyais comme ça que tu pouvais me braquer un grand nombre de fois, me mettre à poil, prendre des photos? Tu croyais quoi? Que tu étais le grand de la ciudad? Tu croyais que tu étais quoi? Non, petit. T'es qu'un pequeño, une merde. Tu fermes ta gueule. D'accord? Tu n'es rien. Tu n'es qu'une petite merde. Tu es morte ce soir. Tu vois un petit peu tous les gens là qui sont autour de moi? Tu les vois? Tu vois un petit peu ce qu'ils ont dans les mains? Tu crois que c'est des petits? C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. C'est un bestie, c'est un bestie, il se passe sur lui-même, ce truc. Aïe, 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 aïe. Vous ne voudriez pas le mettre à genoux? Ça lui ferait du bien. Il doit en avoir marre de rester debout, non? Pas de soucis. À genoux. À genoux. Il y a l'hélico au-dessus, c'est bon. Tu sais, mon petit Lino, tu te fais un paquet d'ennemis dans cette ciudad, hein? Franchement, tu croyais quoi? Que tu pouvais faire tes petites conneries? Je vais aller radio avec lui, comme ça je vous donnerai l'info directement, ok? Ok, ok. Il y en a un autre, tu vois. Bah, il est le mari de ma fille aussi. Et puis le pire que t'as fait, c'est qu'après tout ça, après malgré avoir braqué la banque selon les deux témoignages, parce que le deuxième témoignage, il est là aussi, bah tu t'en es sorti comme ça. T'en avais rien à foutre. T'es passé la justice comme ça. Gentil avocat, merci, au revoir la justice. Et puis, tu t'es mis à prendre une bonne journée, Blanca. Tu vois, en otage. Puis tu l'as mis à poil, t'as pris des photos, elle m'a tout raconté. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Est-ce qu'il y en a un autre qui a quelque chose à dire? Non. Non. C'est à moi maintenant. Donc t'as tué. Bien compris. Pas avoir les idées en face des trous. Je pense qu'un petit coup, ça devrait le remettre. Ouais.
vois, Travis Dorian, c'était mon ami. C'est celui qui m'a... qui m'a mis une grâce présidentielle. Non, non, c'est pas... Calmez-vous, les hommes, calmez-vous. Calmez-vous. On va faire durer le plaisir. Qui m'a un peu sauvé, la fédérale. Attends, mais je t'explique. Toi, mes affaires avec le président, tes affaires avec le président, c'est autre chose, mon gars. Je te connais pas, tranquille. Je t'ai jamais rien fait. Je t'ai jamais parlé. Les gars, tranquille. Et Blanca. Blanca, t'avais l'air de bien kiffer hein, quand je te prenais en photo, tout ça. Hein. Quand tu dandinais, tu dansais. Hein, tu vas faire attention à ça. Et lui, là, à ta gauche, tu le reconnais. C'est qui? C'est le mari de Satsuki. C'est quelqu'un qui est au courant de tout et qui était bras droit c'est du qui, président. C'est qui, Satsuki? Ah, parce que c'est qui Satsuki maintenant? J'ai même pas qui c'est, t'as Satsuki. Bon, bah, j'ai rien à dire. Je crois qu'apparemment, le monsieur, il veut pas se souvenir, donc on va le flinguer tout de suite. Ouais. Et non, les gars. Tu sais pas qui c'est Satsuki quand on s'est rencontré sur le bateau avec Travis? Quel bateau? Bon, arrête. C'est le bateau. Le bateau, 2 heures avant que Travis meure et que Satsu se retrouve à l'hôpital. Attends, mais vous êtes des pseudo. Enfin, vous êtes la police? J'ai affaire à qui en fait là? J'ai affaire à quoi? Vous êtes les Avengers? Ça mais... se passe comment? T'as affaire alors, à ce que tu as laissé traîner derrière non, toi, tout pote, simplement. On est les soldats de l'enfer. Je crois que t'as pas compris ta position. Déjà, il y a une chose que tu n'as pas compris. Blanca, c'est pas toi qui poses les questions, c'est nous. Blanca, t'aimes toujours autant l'argent? Écartez-vous un peu, les mecs. Si. D'accord, j'ai 10 millions de dollars pour vous, d'accord? La 10 millions de dollars pour nous. Ouais, mais espèce de couillon, tu sais qui c'est que je suis, moi, franchement, tu me connais? Mais tu sais si j'ai de l'argent, si j'ai pas de l'argent, petit hombre? D'accord, mais est-ce que t'as 10 millions de dollars, ma petite Blanca? Est-ce que tu connais le cartel de la Sinaola? Le cartel de quoi? De la Sinaola, est-ce mais que ça te non, parle? Non, attends, mais les gars, enfin... Ah, et arrêtez de vous croire dans une série, les gars, j'ai rien fait. Tranquille, laissez-moi juste, je pars. On oublie tout ça. Et c'est terminé, j'ai un tatouage de... Il veut partir Lino, j'ai... Lino. Il veut partir. J'ai un tatouage de poisson sur le cou, les gars, tranquille, Lino, je vais rien faire. Tu vas te taire et tu vas m'écouter un petit peu. Ah, d'accord, mon gars. Tu as braqué la mauvaise personne. Tu le sais, ça, que tu as braqué la mauvaise personne? Attends, mais Blanca... Je vais te raconter une petite histoire. Moi, mon nom ici, c'est Blanca Mendoza. Tout le monde me connaît comme la danseuse exotique, la petite puta d'accord. De Belloul. Attends, mais t'en as rien à foutre de Lina? Genre là, vous Lina, allez me plomber, tu vas laisser la petite mais comme Lina, ça, mais Lina, je t'explique. Elle te suivra s'il faut qu'elle te suive, bébé. Moi, j'en ai rien à foutre. D'accord, ok. C'est pas ma petite fille, c'est d'accord. Pas ma petite sœur, c'est d'accord. Pas ma famille. Je peux l'adopter? D'accord. Tu pourras même faire ton petit joujou de la Lina, si tu veux. Touche à la petite, on va voir. C'est pas toi qui la frappe. Touche à la petite, on va voir. Mais j'adore, regardez-le, il fait encore des menaces et des touche menaces petite, et des menaces. Tu touche sais, je te l'avais dit, Lino, il faudrait que tu changes ton disque c'est un ça petit peu. C'est ça un cartel? C'est ça un cartel? C'est ça la fierté? Vous tombez à combien? À 10, 15 sûrement? C'est ça? On me laisse pas parler, rien du tout? On me laisse là, pas discuter, vas-y. Là, y a un problème, Lino, tu vois. C'est que t'as braqué une paire de fois dans la même journée. Finalement, celle qui te parle, et celle qui te parle, bah, c'est celle qui donne les ordres. Ouais, c'est celle qui donne les ordres, d'accord. Et puis, et tu l'as foutu à poil aussi, tu vois. Donc du coup, l'honneur, c'est finalement, je te le dis, l'honneur. C'est de te griller, tu vois, tout simplement. Ouais, l'honneur, c'est mon griller. Et Lino, c'est bien de frapper des petites filles aussi. Comment ça, frapper des petites filles? C'est ce que ta sœur a dit. Comment ça? Bah, elle l'a dit elle-même. Elle l'a dit, elle a parlé avec toi, ma petite sœur? Tu fais quoi? Tu l'as touchée, ma petite sœur, avec ta tête? Y'a les flics, y'a les flics, y'a les flics, y'a les flics, info radio. Y'a les flics, 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 y'a les flics. Ok, ah ouais, c'est ce que j'ai. C'est... On tire s'il entre. Ça approche, on tire, on cherche. C'est moi. Et vous êtes...
rester avec lui, hein. Il y en a un qui est avec lui ou bien. Ouais, il y a Blanca et Jacob. C'est un autre, je vais t'inquiéter. Il y a 4 officiers. Face, toi, t'es où? T'es un peu dans les escaliers là? Parce que moi, j'ai pu. Ok, parce que moi, j'ai pu rentrer dans la tour, mais je sais pas si je pourrais tirer depuis dedans la tour. Je pense qu'il faudra que je sorte. Et j'attends juste de voir où ils arrivent les flics. Puis on les allume. Ok, on a encore plusieurs dans le hangar, dans tous les cas. Vous êtes... Ok, ok. Il y avait un mec sur le toit du hangar, il y est toujours ou pas? Je sais pas. Ok. Au pire, dis-lui de monter sur le toit. Hein. Mais je crois qu'il essaie de remonter. Eh, hey, Thiago, tu nous entends? Bah, moi j'ai pensé à pas me faire trop voir, tu vois. Bah, s'il y a le mec en hélico là, il pourrait voir s'ils arrivent, tu vois. Je pense que Thiago il parle. Non, mais t'inquiète, Thiago, oui, Thiago il aura déjà. Ok. Donc, il nous donne les infos, c'est comme ça que c'est que les flics arrivent. Le mec en hélico, t'inquiète, c'est un de ses hommes, c'est lui qui a donné l'info des flics. Ouais, ouais, mais juste qu'il tourne, voir d'où ils arrivent, tu vois. Je pense qu'il est parti là, j'ai plus au-dessus de moi, donc je l'entends de dessus de moi, je pense qu'il tombe. Mais je pense que le lino là, faudrait le mettre vraiment au fond du hangar, tu sais. Je sais pas qui... Je pense qu'il faut le tuer avant que les flics arrivent. De toute façon, ils sont que 4, on les fume. Et il me dit... Attends, j'ai... Ok, j'ai Thiago qui me dit qu'ils sont partis vers... Ils sont en 2 véhicules. On m'explique comment ils ont été mis au courant? Mais ils sont pas venus vers nous, ils sont pas venus vers nous dans tous les cas, donc ils sont juste partis. Ils ont continué leur route, ils se sont pas arrêtés vers nous, donc c'est bon. Hein. Je pense qu'ils sont juste, ils ont juste passé parce qu'ils ont eu une alerte de bagarre tout à l'heure quand Blanco l'a frappé. Ils sont venus, ils ont revu, ils sont repartis, c'est tout. Ah, mais c'était en alerte. Mais c'est chaud, non, non, pas besoin. Tout ça, tu vois. Pour l'instant, c'est bon, on est bien. Vous inquiétez pas, les hélicos tournent. Chago me donne les infos dès que... Okay. Parce là, c'est bien, que... on a plusieurs points de visu, tu vois. Vu en plus qu'il y a la tour là et de l'avion, là. On peut se mettre dedans au cas où. Et ça, je pense pas qu'on peut tirer depuis la fenêtre. Je pense qu'il faut que je sorte pour tirer. Mais faut que le mec à Thiago, pas trop qu'il stagne trop vers l'hangar, tu vois, pas que les keufs se disent pourquoi il y a un hélico qui fait du surplace, tu vois. Et les mecs, faut qu'on aille un visu 360 degrés hein, sur où on est. Et ils sont partis vers le nord, les flics. 2 voitures. Oh, t'inquiète, j'ai passé l'info en radio pour ça. Ok, nickel. Ouais, parce que moi je suis sur radio avec lui, comme ça je peux vous donner. Ouais, t'inquiète, c'est pour ça, tu me donnes les infos, je les passe en radio. C'est pas assez pour deux vies, mon gars. Coupe le pied, on a assez, nous, tous sur le contact. Ok, ok. Bon, bah.
Ah. Aïe, 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 fous lui dans le cou. Je vais te laisser le faire, ça, par exemple. Oh là, non, moi, il me salit pas les mains. Ah, ok. On va cauteriser au chamulot, comme ça, il va pas se vider de son sang, et puis on va continuer. Alors, tu vas nous dire où il est ton petit vainqueur, maintenant? Blanca, je t'en supplie, Ne me supplie pas, je te demande où est-ce que ton banker dont tu me parlais, je veux savoir. Okay. Blanca, je t'en supplie. Alors, voilà, ça t'a plaît. Comme ça, c'est cautérisé, il se videra pas comme un gros cochon. Quelqu'un a de l'essence au pire, les gars? Ah, de l'essence. Ça fait trop plaisir à voir, je suis tellement fière de vous les garçons, bravo, maman. Espèce de grosse pute. Vas-y, continue. Un crachat, c'est un doigt en moins, non, on avait dit. Je coupe un autre doigt, si, si. Je veux le voir. Ah. Infinito, allez. Bon, fais attention, je vais bientôt. Clac. Qu'est-ce qu'il y a, moi? Une petite larme coulée de ton oeil? Attends, j'ai ramassé son doigt. Putain! Ok, bastante. Ton doigt. Mets-toi à genoux maintenant, c'est bon. Pauvrecito. Allez. Mets-toi à genoux. Y'a rien, t'inquiète, je dors. On faudra se préparer rapidement pour les voitures. Ouais, je pense qu'il pourra pas. Qu'on va bouger. En radio. De toute façon, t'as un. En radio, y'a encore une place, je crois, dans l'hélico. Ouais, on va partir à 4, on est 3 au moins pour l'instant. On va bouger là, Blanca. Ouais, je pense que ça va bouger après. Comme ça, mon pote, comme ça. Tu as go, moi et le. Et c'est un mec qui conduit l'hélico, on fait se barrer avec. Une grosse pute. Merci. Adios, amigo. Je t'aimais bien. Non. C'est fini. Ouais. Ah ouais. C'est quoi ça? Allez, on se casse. Fumer. Si on me shootait pas. C'est bon, Spartos. Prenez tous vos véhicules, on se barre avant que les flics ils arrivent. Go. Putain, le coup de gueule, il a pas assumé. Oh. Ouais, mais viens. Non, moi je suis obligé de me barrer, j'ai laissé un de mes véhicules, je suis obligé de me barrer avec moi. Vas-y, face. Prenez tous vos véhicules et barrez-vous. Allo, pour info. Ouais. On est pris. Monte déjà. Nous on est parti en écho. Je suis plus avec toi, Thiago, j'ai été chercher ma lambeau. Ok. Sortez, hein. Prenez vos véhicules, pas de plaque sur place et vous vous barrez. Donc, moi j'ai laissé que le véhicule d'entreprise donc il n'y a pas de plaque. En attendant, moi je suis parti en écho. En écho? Eh, on se rejoint où là? On se rejoint où, Go pêche. À la pêche. La pêche, ok. Vous avez l'occasion de pouvoir vous changer sur la route, faites-le. Ça va être compliqué de se changer sur. Par rapport où je suis. Je vais à la pêche, c'est pas grave. Putain. Ou au pire, je remonte. On aille au QG, fils. Je sais ce que je vais faire, je vais aller au nord complet pas loin de chez Bébert, il y a un magasin, je vais me changer là-bas et après je viendrai. Mon effet il s'en va au QG comme ça on peut changer puis on prend une moto comme ça. Et par contre Blanca elle m'a défoncé la voiture. Un truc de ouf. Bon info, les flics ils sont sur place. C'est bon. On est passé par dessus, ils étaient sur place. Si.
Ils sont vraiment sur place là? Ouais ouais, ils étaient. Putain, mais j'ai crash dans le hangar, je vais me reconnecter sur le hangar moi. Bah, reconnecte-toi pas maintenant. Reconnecte-toi maintenant, ouais. Du coup, ouais, bah, je vais pas me reconnecter, j'ai éteint le jeu. Mais Blanca, elle a mis un coup de cross, et mon jeu, il a dit non. Ah, je sais pas, moi. Trop puissant son coup. BM, là, mon pote, on dirait une Peugeot le truc. Putain. Ah, moi, je me suis paré avec ma Lambo tout de suite. Non, c'est pas la peine, on a eu l'ino, c'est ce qu'ils font, c'est voilà. Mais la douille, il va falloir aussi faire quelque chose en vrai. Ah ouais. Bon, rien contre la douille. L'oublier lui. Malheureusement, c'est que là on a que dalle contre la douille. Bah, de façon, la douille, le problème de ce que j'ai compris, c'est que je crois qu'il était en prison. Ah. Ou il a été recherché dans tous les cas, avec une connerie du genre. Face, tu repars en moto toi ou avec une Kuruma? Bah moi je sais qu'il m'avait dit par message qu'il rejoignait l'aide de l'ino, mais ils étaient pas ensemble. Là je prends une route, c'est n'importe quoi, Lambo. C'est toi dans la voiture rouge? Tu te calmeras. Le Lambo rouge, ouais. Ouais, je suis avec toi, je suis derrière cette route. Gros, t'as vu cette route en Lambo? Eh Face, prends une voiture au pire, vu qu'on peut pas changer, là, parce que si on prend une moto, on va être gris avec notre tenue. J'ai envie quand même de me changer, je suis passé là. Je vais me changer après au pire. J'allais me changer juste dessus après, hein. Je m'arrête pas à la pêche, je vais me changer. J'ai même limite changé de véhicule au cas où on m'aurait vu avec ce véhicule. Ok. On a un garage à la pêche. Ah. Le stress est comme descendu d'un coup. Ah ouais. Ah, c'était plaisir. Oula, y'a la police et tout partout. T'es heureux, ah, Blanca? T'as vu, hein? Je te l'avais dit. Putain. Eh, hey, Blanca, par contre, tu sais pas conduire, hein? T'as reculé, t'as écrasé ma voiture là. Ah si, je l'ai vu aller, j'ai pas. Et en même temps, le mec il se garde derrière moi. Allô? Non, 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 parce que je suis arrivé avant toi au hangar. Je suis arrivé avant toi. Et comment tu peux être derrière moi si tu te gardes? Parce que quand t'es arrivé, j'ai vu, tu t'es mis pire devant moi n'importe comment là. Après t'es parti, c'était nimpe. Oh. J'ai écrasé mon truc là, j'étais là putain, je vais pas pouvoir. Désolé. Repartir là. Désolé. Ah ouais, c'était chaud. Hein. Je vais arriver à la pêche. On y est déjà. On va se changer, hein. Rien à foutre. On pose les armes là. Est-ce qu'on va se changer ou pas? Non. Bah certain, vous allez vous changer. Tout le monde se change. Hein. Tout le monde se change. Ouais, bah, je suis en train d'y aller. Enfin non, je pose merde. Je pose ma Lambo au garage à la pêche et je vais me changer un peu. T'as posé je change de véhicule, on sait jamais, ils auraient pu me voir partir. Ah. Ah, ok, moi, ouais, je pose juste les gros armes, tu sais. Ah ouais. Oh, ouais, c'était vite. C'est bien que vous vous jartez votre télico si les flics débarquent. Vous êtes dans la main. Ouais, faut qu'on se débarrasse des armes. Les armes. Reculez, les gars. Débarrassez-vous de toutes les armes, hein. Les gardez pas sur vous. J'ai déjà fait. Ah non, moi je vais. Je vais aller les jeter dans l'eau. Bébécito. Fils, tu m'entends radio? Ouais, en tout cas, on prend des véhicules là. En tout cas, opération réussie. Bien joué, les gars. Attends, ah, très bien joué. Il manque juste pas la douille et après. Attends, c'est vous les véhicules là que je vois aller, ouais, vers le c'est nord. C'est nous, on va vers le nord. Ok, tu me vois loin. Vous savez si les flics sont encore dans le hangar ouais, ou quoi? On doit. Les flics, vas-y, je vais y aller. Ouais. Faut qu'on aille se changer. Et heureusement qu'il y en a qui a dit repensez à reprendre tous vos véhicules, putain, je l'ai laissé ma Lambo avec ma plaque et tout normal. Ah non, faut pas faire ça. Ah attends, y'a l'autre porte qui. Attends, y'a l'autre porte qui est. Non, faut faire gaffe. Attends, vas-y, pour fais info, y'a plus de flics sur place. Non. Faut qu'on aille. Faut qu'on aille se changer vers le magasin vers Bébert là, je pense. Ouais, moi c'est où je vais hein, déjà donc. Ah, mais c'est le moins gris, tu vois. Ouais, non, lui c'est le moins gris, et t'inquiète, je sais, je dis pas que c'est là où je vais. Ah, ok, non, je pensais que t'allais dire venez pas tous au même endroit.
Non, non, limite, on s'en fout. Enfin, limite, attendez que je repars. Attendez que je repars, limite. Je vous fais signe. Bon, nous, on a torse nu, là, comme des sgegs, là. Putain, j'ai des gros freeze, sa mère. Du coup, les gars, vous voulez tuer à deux ou pas ce soir? Ok. Oh oui, tu parles de la douille, toi, ouais, mais la douille, il est pas en prison, hein? Non, 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 la douille, il est pas en prison. Bah, quand on était en train de faire le braquage, je lui parlais, il était. Bah, il était en ville, il devait rejoindre Lino, mais bon, ils se sont fait séparer. Okay, okay. N'en dis pas plus, après ça en fout, mais ok, ok, je pensais juste qu'il était en prison. Mmh. Vas-y, du coup, je me reconnais ou pas? Parce que. Ouais, ouais. Sago, t'as été voir ou pas au hangar? Ouais, ouais, je t'ai dit, c'est clair. Ah, excuse-moi, j'ai pas. Il faut écouter. Il est égal. Ouais. Bah. Ouais, si tu veux. Wouah, j'ai trop de problèmes. Vas-y, Sans. En fait, mon jeu il s'est remis en PLS depuis que Blanca elle a frappé. J'ai eu le même point que Nick, enfin, sauf que j'ai pas croche, mais j'ai eu un gros freezer et derrière c'est parti en. Non, mais ça c'est parce qu'elle a trop de force, gros. Elle a même atteint mon PC, mon gars. Ouais, non, mais je te dis, moi. Non. Oh putain, je peux pas passer là, fais chier. Eh, je suis mort. Eh, tu sais, vu qu'on a fini, je regarde le truc de Lino. Il a cru que Blanca, elle avait vraiment un cartel. Bah, normal, t'as vu comment elle a bien joué, vraiment, dans son rôle là. Le mec, il croyait de ouf, hein. il croyait qu'elle avait un cartel, mais en fait, rien du tout, tu vois. On était juste des gens qui se connaissent. Attends, j'arrive, je me connecte. Il est pas encore reconnecté en fait, Nick. Attends que Nick se reconnecte. Je suis là dans 10-15 secondes. Mais si, c'était pas allé te changer au magasin? Ah oui, vu qu'il devait se reconnecter, ouais. Ouais, mais il arrive, regarde, il vient de se reconnecter, c'est Nick Larson. Moi j'ai tout. J'ai tout jeté dans la mer. Et moi je gâte. Ouais, ouais, c'est pour ça, moi je les jette pas, je les garde sur moi les armes, parce que j'en ai besoin. Ok, c'est bon, magasin de vêtements. Non. Moi j'y suis là. T'entends comment ils peuvent convoquer Blanca au commissariat comme ça d'un Blanca, coup là? Blanca, t'aurais pas laissé ta moto rouge dans le hangar?